Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch, pardon, excusez-moi. Donc, c'est très gentil à eux, Blizzard a décidé de nous offrir à tous les joueurs pour les fêtes 5 offres de Noël. Nous allons donc ouvrir en plus, en bonus, hein, dans cet épisode. Nous avons 3 blancs, 1 bleu, donc c'est pas top 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 pour un départ. Une célébration que je n'avais pas, je vais la prendre pour la forme, on ira la voir tout de suite après. Ici nous allons tomber sur un épique qui tombe, qu'on a sûrement déjà. Voilà. Ce n'est pas bien grave. Tout le reste, on l'avait déjà aussi. Ouvrir le troisième coffre. C'est parti. Pas un super coffre non plus. Le gui, donc on avait déjà tout une fois de plus. Hop. Et malheureusement, pas de légendaire qui tombe. Vous savez que moi, c'est les légendaires que j'attends. Commandant des opérations, il est joli. Il est joli. Vous savez que moi c'est des... Il m'en reste un? Ah cool, il m'en reste un. Ah bah un épique qui tombe. Ce sera de l'argent, dommage. On n'a vraiment pas eu de chance. Moi j'ai l'impression de pas avoir de chance avec les coffres. Vous m'avez dit que vous en aviez, donc tant mieux pour vous, chers amis. Moi j'aimerais avoir le casse-noisette. Il coûte cher. Il coûte très très cher. De toute façon je pense que d'ici quelques jours je vais m'offrir un coffre. Oh, quoi que non. Non, on verra bien, on verra, je vais avoir l'arcade demain en fait, je viens de penser à ça, je vais avoir de l'arcade demain qui va arriver, vous voyez, encore un jour. Donc peut-être avoir 3 coffres supplémentaires, peut-être pas me l'offrir en fait finalement. On verra. Nous allons partir dans une partie rapide, je pense. On va faire du compétitif en solo queue. Allez, soyons fous. Vous voyez que ma cote est toujours pas top, hein. J'ai encore du mal à faire des parties sans leavers ou sans troll. Malheureusement, c'est moi et mes mères qui est comme ça. Donc je cherche des équipes, je cherche, mais j'ai beaucoup de mal. C'est comme ça. Là on est en défense, j'ai peur de tomber sur un Torbjorn ou n'importe quoi. Moi je partirais bien sur une Zarya que j'essaye de... C'est vrai qu'on est, techniquement le 25. Hop. Ah, c'est pas le bon. Je sais pas. Regarde, on peut d'ici quand tu es habitué à... On continue. L'union fait la force. Hop. Donnez tout ce que vous avez. Si on a une compo qui est pas trop moche. Bon, c'est pas trop moche. Et il a toujours pas choisi son personnage, hein. Lui, il va se faire kick de la partie, vous allez voir, ça va être rapide. Enfin bon. Oui, il y a ça aussi. Les attaquants arrivent dans 30 secondes. Triple tank méta. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de heal. Mais bon, on va bien voir, hein. Quoique, normalement. C'est dommage qu'il n'y ait toujours aucun moyen de sauter ici. C'est vraiment dommage. Ah, Namura sous la neige, elle est vraiment magique. Hein. Je veux pas dire, mais. Ah, désolé, je vire mon bordel. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Oula, qu'est-ce qu'il vient foutre en... Boum. Ah merde. Hop, y'a quelqu'un sur le point. Ah putain, j'avais plus de shield. Ah! Aide-moi! Putain, ils sont pas attirés. C'est chier. Ah la vache.
Hop. Puissance accablante. Apparemment, je suis resté assez longtemps sur... Hop. On n'est pas trop mauvais. On tient le coup. On a un léger manque de DPS, malheureusement. Hop, parfait. On s'en sort pas trop mal. Merci. Je suis désolé l'ami. Crac. Qui a quitté la partie? C'est le troisième tank. Je sais pas ce qui lui arrive. Ok. Hop. Personne. Je vois pas là. Oh, t'as du bol toi. Hop. Merde. Hop. Je trouve que je fais plutôt le café avec cette Zarya. Oh là 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 là. Je trouve que je fais le café avec cette Zarya. Fou. Non sans difficulté. À zéro. Changement de côté. Non sans difficulté. Oh là là. Donc pour rappel, Zarya en fait a des boucliers qu'elle peut poser sur nous et sur les ennemis, enfin sur ses alliés, qui permettent d'augmenter sa charge d'armes, qui lui permet de faire plus de dégâts. Voilà, tout simplement. Son ulti est une orbe à graviton, pardon, qui lui permet en règle générale de maximiser ses dégâts en regroupant tous les ennemis en un point précis. C'est juste que je trouve pas, enfin je n'apprécie pas trop le clic droit de Zarya pour la simple et bonne raison que avec une diva en face, en fait, avec son clic droit à elle, elle peut annuler mes clics droits à moi. Alors que mon clic gauche, elle ne peut pas l'annuler. Voilà pourquoi je le garde en clic gauche. Et comme la méta actuelle tourne beaucoup autour de la diva, je préfère. Qu'est-ce que tu regardes ? C'est marrant, le poster est mal placé. Bon, je suppose que mon boulot sera de vous remettre sur pied. Le combat commence dans 30 secondes. Rejoignez-moi. S'ils ont une... Oh. Oh. Ah, je peux pas utiliser mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah putain, j'ai le mauvais... J'ai le mauvais profil. Ah.
J'ai un problème, j'ai le mauvais profil. J'ai un profil de Clicker Heroes. Oula, par contre il est parti tout seul là. Putain mais... J'ai pas réussi à la toucher parce qu'avec son rayon on voit pas trop où est-ce qu'on va. C'est pas grave. Alors là, 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 ça va être le calvaire. Donc je vais reprendre finalement bel et bien. Il va nous falloir du counter. Et je suis prêt à parier qu'elle a rien mis sur le... Putain. Merci. Ah putain. Oh. Oh. Le problème c'est que c'est pas à lui d'aller sur le point. Ah. Quoique s'il peut créer une ouverture. Non, il y a un problème dans la compo, il y a pas assez, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Putain! Putain, mais elle fait tellement de dégâts! Sale pute de Symmetra! Non, 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 faut corriger ça très très. Regardez ça! Merde, c'est vrai, j'ai pas mon. Hop. Ah putain, j'ai pas eu le temps. Fallait que je nettoie un peu le truc. Mais c'est la Symmetra qui est absolument intuable. Moi que j'ai des potes sur le point. Recule! Putain, mais occupe-toi de là! Oh la vache! Putain, puis il y a toujours le bug. Putain, il est là lui. Oh non mais... Non, c'est la Phara pour moi qui aurait dû repique. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fera un draw je pense. Score final. 0 à 0. Action.
direction de la partie. Mais bon, ouais, c'est pas étonnant. C'est malheureusement la Symmetra qui fout le bordel dans les... Qui fout le bordel dans les dans la compo. Regardez ça, c'est... Elle est intuable. Tout bonnement intuable. C'est comme ça. Tiens, ah oui, c'est pour Zarya justement. Alors du coup, on va aller voir ce que c'est que ce succès. Les succès de Zarya, c'était quoi? Parce que je l'ai pas trop joué avant, hein, mais je suis content de pas trop mal la jouer, on va dire. Je vais pas dire bien la jouer, parce que c'est pas forcément dit que je la joue bien. Tank. Puissance accablante. Maintenir le canon particulier à la personne pendant une minute en partie. Bon, c'est pas extrêmement compliqué, tu me diras. Piéger 5 éléments disant l'or. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il me reste en tank? Des mineurs. Mouais. Et en attaque, il m'en reste plein parce que les personnages attaque, c'est pas ce que j'utilise le plus. Ah oui, alors celui-là, j'ai pas encore compris comment il fallait que je le fasse. Et Genji, j'utilise pas assez souvent. Coupure de courant, pirater ses ennemis simultanément avec son bras en particulier. D'accord. Rappel d'urgence, rappel. D'accord. Piratons la planète. Oh la vache, 15 ennemis. Faut balancer 3 ults quoi. Enfin, 2 ults plus. Ouais. Ouais, c'est faisable, remarque. Ok, eh ben chers amis, nous on va se laisser là pour, je pense, pour cet épisode. Je pense qu'on est à peu près à... Ah, on est à peine à un quart d'heure. Parce que là, du coup, ça va faire 30 minutes la vidéo. Ça va être un peu juste. Ou alors je pars dans une partie rapide pour terminer. Dans une partie rapide qui va être normalement très très longue à trouver. Mais ce n'est pas grave. Crac. Alors, en nom d'épisode, on va mettre... Ah, j'ai pas... Oui, faut que je corrige mon profil de souris. Hop. Qui est pas bon. Qui est pas bon du tout. Hop. Overwatch. Voilà. Peut-être pour ça que j'avais du mal à viser aussi. On verra. Par contre, c'est cool, j'arrive en plein d'une partie. Qui est déjà le doigt déterminé. C'est quoi cette équipe? Y'a pas de tank! Mais! Action de la partie. Bon, bah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je. Hein? Par contre, là, du coup, j'ai l'impression que ma souris est super lente. On y retourne. Attendez, je vais quand même aller voir les... Quand je suis en inverted. Je suis à 1800 DPI, la fâche. Bon, on verra bien. Et quand je suis à 800. Wouah ! Violence. Ok, on verra bien. On verra bien. Bon. Et du coup, j'ai l'impression que c'est lent. Parce qu'en fait, ça se trouve, ça fait 3-4 jours que je suis en inverted. C'est lent, c'est lent. Bon, il y a plein de choses qui vont arriver normalement sur le jeu au courant de l'année, assez rapidement apparemment. Dont des héros où il n'y aura apparemment pas eu de teasing, mais en tout cas, ils n'en auront pas trop parlé. Qui vont arriver comme ça, l'air de rien. Pareil pour des maps et surtout différentes fonctionnalités. Par exemple, avoir plusieurs roulements d'emotes. Ok. Choisissez votre héros. Dorado en défense. Bon, bah je vais tanker. De toute façon, je l'aime bien, ma Zarya. Là, honnêtement, ma Zarya, je m'en plains pas. Pour une raison que j'ignore, je m'en plains pas. Peut-être trop de DPS là. Peut-être un poil trop de DPS. Et apparemment, personne ne va vouloir faire de heal, et je suis seul tank. Bon. N'oubliez pas de vous
Justice sera rendue. Ah, on a l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Je vais le sentir passer demain matin. J'étais peut-être mieux à 1800 DPI, mais je devrais être moins précis. Mes amis, avons-nous besoin de tant attendre? Notre gloire se languit. C'est un honneur de combattre à vos côtés. Macri qui fait de la lèche à... Ah, vous avez intérêt à faire le café niveau DPS les mecs hein. Parce que si c'est pour viser à côté avec des personnages pareils... DPS ? DPS 0. Fallait bien que ça arrive un jour. Ah, DPS 0. Alors j'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Hop. Mon ulti est prêt. Ma capacité ultime est quasi en train. Merde, il arrive par au-dessus. Hop. Ça y est, il se réveille au niveau des kills. Il a fallu que je leur botte le cul pour qu'ils réagissent, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Merde. T'es mauvais, toi, avec ton... Ah, oh, quel dommage. C'était peut-être pas le moment pour faire ça. Oh la vache, oui, il a bien attendu. Ah non, même pas, je pense qu'il avait bien entendu. Mais c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de DPS derrière. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Oh non. Les mecs. Enfin, c'est débile. Il, bah non, tant pis. Parce qu'il vaut mieux faire les DPS que le heal. Oh non, il y a un gros problème de kill quoi. Non mais c'est pas per, c'est pas possible. Oh là 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 là. La
Et il n'y a personne pour faire le kill. Hop. Je vais avoir eu 3 ults déjà. Ah putain. Ah la vache. Je me fais entourer, y a personne. Honnêtement, au niveau des DPS, on n'est pas aidé. Hein. Putain mais. Ils vont même pas sur le point, il n'y en a qu'un qui va sur le point, c'est leur chacal. On aurait dû la gagner depuis le premier point celui-là. Mais non. Hop. Merde. Voilà. J'ai le feu sacré. Attention à ne pas vous brûler. Nano boost prêt. Bon plantage de la nef. T'es sérieux là? Oh. Ah d'accord. Oh putain mais. Je suis vraiment pas aidé. Y a combien de flanqueurs? Deux. Deux potentiels. Hop, un vrai flanqueur et un. Off-flank, on va dire. Je vais appeler ça comme ça. Enfin, j'imagine que le soldat est un off-flank. Sur le point, le point, le point. Eh ben non. C'est triste quand même, regardez, le mec il vient de tuer 3 DPS et il était même pas mid-life. Si, 500 PV il avait. Enfin bon, c'est pas grave. Eh ben écoutez chers amis, du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yoop.